Salam alaikum, monsieur Mangé. Oui. Ah, c'est bon, c'est lui. Ok, ben, je vais venir. Est-ce que tu as une idée de l'heure qu'il mange? À 11h pile, pétant? Ok, ben. Les croissants, ils viennent de sortir du four? Bah, ben, ok, ben, je sors le buffet. Ok. Bon, mais j'arrive. J'arrive. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khair baraka wa afia wa tasla leo malika wa mjihundao. Uongofu wa hanyu. Ibiribanu pasuke nga mjua wakaya. Ifo. Ngasi harumwe mbashibaru wa nga mjua wa. Shari so kanzari temna mnadungo banu bada rejirendo kangasi heni ndongosi tanzari zambe. Nge. Je ne sais pas si na quelques jours de faire des sagas ya madame Madina na mon université de Yassine, monsieur FFU. Parce que ben, moi je ne suis pas politicien, je ne m'intéresse pas à la politique, mais puisque ben, c'est l'actualité comorienne, on va émettre ce qu'on pense là-dessus, c'est tout. Ça va prendre juste 5 minutes, pas plus, parce que je vais vous donner la fin de la. Je suis venu à Seukaya, monsieur Amada Hamadi. Franchement, tu es arrogant. Il est très, très, très arrogant, ce monsieur. D'hier à aujourd'hui, il est très, très arrogant. Mais franchement, c'est grave. C'est très, très grave. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis dans la joie et butil timouyahahe. L'intérêt à l'ONIO, il y a où snobé manadamu. Il y a eu dénigrement d'Adamu, il y a eu... Enfin, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Pour un responsable politique, mais pas n'importe quel responsable, parce que c'est l'homme de la situation des Comoriens en France. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment regrettable, honnêtement. Mais bon... Ils ont dit que wa komori wohanza wohanza wanadam marakai wanadam ika wo jozinga na zendongo yo wazi wazi met en pointe. En gros, c'est de monsieur Yassine, monsieur FFU, haka komori haka conseiller wa azali ya spécialité ya hahe ya kena nono wadohano siha na bamba haiho yede poste akanyo komori monsieur FFU. Haka beti salama ye branchiae hakaena nono wakado hano siha momwe mnikaze mikiro ya mbezo anzao haja hanomewa premier conseiller wa ambassade ya Faransa wa ambassade ya Komori lo Faransa ranzinga sina mezi na mezi na mezi
Amada Amadi a déjà décidé. Parce qu'Amada Amadi, il fait ce qu'Azali a Mabia. Donc, Azali a Mabioka, Wengehun, il ne me sert à rien. Il ne me sert strictement à rien. Parce qu'il y a un conseil de communication. Car j'ai parlé mon avant Azali à Lio. Il y a précédé Ndongo. Car j'ai parlé de Msafara ou Azali à Ndao. Il y a Rendadje. Car j'ai parlé mon avant Mikiro. Il y a Rambiez ou Azali à Panyao. Car j'ai parlé Rendadje. Donc, voilà. Azali en Bokaya, il y en a marre. C'est moi-même à sa fille. Il y a deux chiffres Il y a déjà fait ensemble de Dimeridi. N'arrête pas de faire la nomination. Ramengo Joyo. Voilà. Après, tu feras ce que tu veux. Boyo. Madame. Je une fois arrivé là-bas. Là. Et du coup, c'est ce que madame a dit à Fanny. À Fanny, je n'ai pas trop à Mambia. À choisi Fanny, oui. À Djaya, m'était là-bas. Et aujourd'hui, madame a dit à Kazoise Mikro, za Semsembeni, à Subutingo Boka, non, non, Muniri Hadja, si Mambioka est posté à Haï, il y a que secrétaire Wahangu. Il y a que secrétaire Wahangu. Ah, mais c'est que tu m'as dit bien. Eh bien, qu'il aille là-bas. Il y a deux lits là, il y a deux lits. Chami, il y a un mambia. Tu m'as dit, il y a que secrétaire Wahangu. Parce que, premier conseiller, je ne savais rien dire. Premier conseiller Wamba, ça a dit, je ne savais rien dire. Donc, Djaba Mouniri, quand tu n'as pas d'arabe, Chahou Astarabou à Komori, ou la Daina Nono, Chahou nous. Quand on a un fiche de paye, il y a un secrétaire Wahangu. Parce que Benga Azali a nominé Hula. Benga Azali a nommé Hula. Mais je m'en fous en fait. C'est moi le patron. Parce que Mide Rongo Minazali, Mide Rongo Minazali, Wanualovan, Wanualovan, Wajavan, Awakavan, Lovan Minao. Je me décide, Kawaroha, Watsiroha. Chazadugayabo. Ça. Et Kaka Jakubale Mission Namnik. Monsieur Mounir, kaka ja kubale mission namnik. Ya bo bay, gujo ka mondiani hado chante no chantone no bangwa machose. C'est tout. Yo parole ya madame. Ola o para ma goshi ola lo ambassade ola ya. Ya komo. Ouais. Donc moi je trouve ça pathétique, je trouve ça regrettable qu'un responsable de haute instance, soit politique, C'est pas bien. Moi, je trouve que c'est pas bien, bon, comment? Non, non. La journaliste, moi, c'est Mbeni. L'homme à la parole poignante, l'homme qui prend des décisions, l'homme qui affirme. C'est. Tu vois, ses convictions, l'homme qui. Les raya Kamili, et fait fuir toi quand ça te lit la hata, namnisami, bamiam regrette, bamiam nous en gonahaba, nous en gonafanya, omkongangu komori, mingam regrette, ewa komore, namnisami, yewe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que la France est capable de faire à un être humain sérieux? Va nous en aller, mouafikroindri. Bomouni. Bomouni, tu ne peux que récolter ce que tu as semé. Attends, je vais reformuler. Parce que c'est pas la peine. Il ne faut pas que je parle comme à Madame Hamad. Monsieur Mounir s'est dit assis. FFU, vous ne pouvez pas réclamer un dû que vous n'avez pas avancé. Il est impossible. Vous allez toujours récolter ce dont vous avez semé. Seulement, c'est lui qui sème le vent, récolte la tempête. Maintenant. Pleurer ou pas pleurer, c'est pareil. Nous, les Comoriens, ce qu'on enregistre, ils ont enregistré au Nawe Bomounir, Yassine, FFU. Si ma gay, si ma lesbienne, ça c'est déjà un. En tant qu'enfant de Mwadja Mahamé, en tant qu'enfant de Mwadja Mahamé, en tant qu'un enfant de Mahamé, en tant qu'un enfant de Nyumamuro, en tant qu'un enfant de Niafamba, en tant qu'un gars de Ngazidja, viens pas pleurer, Mounir. Parce que tu l'as dit toi-même, vous l'avez dit vous-même, que vous avez servi à Mahamé pendant des décennies.
Il n'y a pas une preuve de votre passage. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. À part votre grande gueule, là. Parce que vous allez venir prendre un micro. Dès que vous voyez un micro, vous venez, vous. Vous dites ce que vous voulez. Et aujourd'hui, une fois en France, parce que Azali et ses apôtres, ils ont dit, ben, ils vous ont écarté. Maintenant, vous venez vous pleurer devant les Comoriens. Maintenant, vous venez vous pleurer devant les Comoriens. Et que Jean, les Comoriens de la diaspora, il faut qu'ils vous pardonnent. Les lesbiennes, c'est nos sœurs. Les gays, c'est nous. Maintenant, vous allez pleurer quoi? Vous allez dire quoi là? Vous dire quand Jawambe kaya ah, valangwa bo adingo firo, wakawavumbu, Orlando, wala mwenye na Ahmad Ahmad, hein? Wala dasi, wakawavumbu, hein? Et moi, ma lesbienne, quoi bon? Mambo lambari na farwat, non non, la demeure shahang, wakawavumbu. Voilà, de m'douche, ouais, Gujordi a ni que sarpier y hambio ka, il faut sarpier l'ambassade. Parce que quoi tu anza? On va ne décider y karonga ranzi komori bomunir. Mais t'es naïf, vous êtes naïf. Vous êtes naïf, Mounir Sidi Yassine. Vous êtes naïf. Ça c'est depuis Azali. Et en plus, malgré ce qui se passe, vous continuez encore. À lécher les bottes de ces gens. Peut-être qu'on va changer avis. Avis de quoi? La décision est prise. Ça fait des mois et des mois et des mois. Vous êtes dehors. Vous êtes ni ici ni là-bas. Donc vous avez regagné votre vie que vous aviez avant en France. Que Azali Assoumani savait pertinemment que c'est ce que vous allez revenir. C'est pour ça qu'il vous a envoyé. Vous-même, vous le dites, ce qui vous a sorti des Comores, ce n'est pas un passeport diplomatique, non. C'est votre passeport français. C'est tout. Vous l'avez dit vous-même. Donc, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de pleurer aux Comoriens. Parce que nous, on ne vous pardonne pas, Mounir. Va là-bas. Va au diable, Mounir. Parce qu'un responsable respecte ses citoyens. Ce n'est pas parce que tu as un micro, parce que tu étais là-bas. Et tu crois que parce qu'aujourd'hui, tu es dos au mur, tu viens, ah, il faut me pardonner. Eh, Wakomori, n'a pas pardonné. N'a pas pardonné. Ils ont quoi comme souvenir de toi, Mounir? Amaham, Mwadja, Yahangunawe, on a quoi comme souvenir? C'est à part l'ignorance qui règne là-bas, là, que soit disons, on s'en fout. Les choses changent aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses ont changé, Bomounir. Donc aujourd'hui, ce que vous avez, c'est ce que vous avez semé là-bas. Là. C'est ce que vous aviez semé là-bas. Là. Tout simplement. Donc le CV des décennies et décennies, les décennies, c'est du vent. C'est du vent. Et maintenant, vous voulez prendre le truc à la comorienne. Ah, Narsamiliano Mano Mouhimou de Kamba Fanasama, de Kamba Djanam Sama. Ah, ah. Ça résonne encore dans nos têtes. Et ma lesbienne douana Chouahatou. Et ma gay, Nassi. Nous sommes les gays que tu as traités. Si les ma lesbienne, et donc, parce que toi, aujourd'hui, tu as une conscience. Et il faut qu'on efface, qu'on passe l'éponge. Kade Hali aussi, tu m'as islam. Ou tu dis, de dire que Jésus Kassim est gay, sans état d'âme. Sans état d'âme. On s'en fout, nous, en fait, pour mounir. Donc, ils ont Hamad Ahmadiyya Urendao, bien fait même. Ils ont Azali Afanyao, ils ont dit, ils ont Amrish Hamad Ahmadiyya Djio Fanyahounou, bien fait même. Bien fait même. Voilà. Salam alaikum, mon Surah Yakoz. Voilà. Yenge nan Rensi, Mkeradi, Baba nous, vous tous, un par un, vous allez tous. Parce que la nation, c'est quelque chose de très important. On peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Tu es au pouvoir aujourd'hui. Mais tu as oublié une chose essentielle.
Tu étais au pouvoir. Oh, Comore. C'est quelque chose d'éphémère. C'est éphémère, ça. C'est éphémère, Momouni. Surtout avec l'expérience que tu as, tu savais bien que c'était éphémère. Qu'à chaque fois, il y a un gouvernement qui dit, tu rentrais en France, tu te faisais une santé jusqu'à ce qu'il y ait une opportunité. Tu rentrais là-bas, on va faire le mendiant. Et après, on a un poste qui va durer 2 jours. Et après, tu reviens en France. Là, aujourd'hui, tu as juste regagné ta vie. Ce que tu as toujours fait. Tu vois? Et après, tu nous vends qu'on croit, ouais, Amara, mais on doit être fier. Fier de quoi? On s'en fout, parce que ceux qui sont avec Azali, Assoumani, là, ou la Wambangue Belgique, ou la Wambangue Chine, ouais, ou Adjamba, mais je ne sais même pas ce que tu as. Vous êtes les mêmes. Des mendiants. Des mendiants, ce n'est même pas des mendiants d'argent, des mendiants de considération, des mendiants d'amour, de reconnaissance. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on se met sur un piédestal à rester là, à croire que ça t'arrive. Non, c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille, ça. L'amour, ça se travaille. Tant que tu ne peux pas en donner, ne te mens pas qu'un jour tu vas en recevoir. Que dalle! Que dalle! Kavatim Zimandani. Kavatim Zimandani. Ya paro kanamba e kanga ni hosoni hula. Usan dani wa mahame. Kavati ya paro kanamba nusu namba tati bloka. Vanu se efemeri nan nsiliwaze fondamental. Parce que c'est quand même mon fief. Il faut que je... Wende mwa subuti wa ranga mwaja wa habashi la shamba. Shazani. Et encore aujourd'hui, tu le maintiens malgré là où tu te trouves. Et après, je lui ai dit qu'on va te pardonner. Pardonner, c'est la chambre. Donc, on est tous des sauvages. On est tous des sauvages. À Mouadja, à Mahamé, en Bankoui, il y a juste un gars qui a été allé à l'école, c'est toi. C'est toi, c'est fini. Tout simplement. Mais le reste, c'est de la merde. C'est de la merde. On s'en fout. Mais il n'y a que toi. Parce que chaque gouvernement qui arrive, c'est toi qui es au devant. C'est toi qu'on voit. Parce que tu aimes la lumière. Parce que... Mais il faut que tu saches que... Donc c'est pour ça que la fin, c'est toujours la même. La fin, c'est toujours la même. Tu sors tel que tu es venu. Mais si c'était une compétence qui te mettait au devant. Aujourd'hui, jamais personne n'a Hamadi, à Djolbouda Mlokaya, secrétaire, il bon quand même. À Djolbouda parcours, à Djolbouda est présent, parce que Mme Hamadi a soumis un discours, Hamadi, il a Mlokaya, secrétaire, assistant de direction, ou à l'ambassade. Il dit, parce que madame a dit, donc, parce qu'il savait qui c'est madame Hamad, de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il est en mesure de dire, de faire pour défendre et pour protéger Azali de tout ça. Et pour te laisser sur le devant, sur la chaussée, à pleurer comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Donc aujourd'hui, moi je suis là, je me suis mis là pour dire quoi? Pour dire que Amada Amadi, moi-même, Amada Amadi, parce que je suis un Comorien, je suis en Europe, je suis en France, je ne crois pas qu'il me représente. Il ne me représente pas. Il représente Azali et les intérêts d'Azali. Mais il ne me représente pas en tant que Comorien. Franchement, parce qu'il n'y a rien que j'ai vu, que j'ai pu constater, que c'est vrai, c'est un ambassadeur, c'est le représentant des Comoriens en France. En aucun cas, je n'ai jamais vu ça. Malgré sa bouche qui parle, qui machine, là. Quant à toi, Mounir Sidi Yassine, l'homme présent de Mahamé, l'homme présent de Bankou, l'homme qui a tout mis le Mahamé et le Bankou, qui les a sortis de leur sentier sauvage, tu vois, depuis des décennies. Bon, Mouni. J'arrive. Namni Sami, vous me traitez de ma gay, ma lesbienne. Va là-bas, Mounir. Va là-bas. Tiens, va là-bas. Ou un joueur, ou un joueur qui utilise d'autres mots.
Cher Elihu, le peu de respect qui me reste encore, parce que justement, je ne peux pas dire ce que je te reproche, tu vois, le peu de respect qui me reste, attention, on parle de politique, hein, attention, on parle de. Ah, merci. On parle de présence, hein, franchement, politique, pas autre chose. Moi, personnellement, à Mahamé, à Bankou, à Mwadja, tu es un fantôme, mec. Un fantôme. La seule réalité, c'est ta bouche. Ta bouche. C'est tout. Parce que tu sais que tu t'adresses à des gens que jamais ils vont dire autre chose. C'est la seule. C'est la seule chose qui reste et qui a toujours été, qui reste. C'est ta bouche. Et aujourd'hui, tu viens, tu trahis ta bouche même. Avant maintenant, j'attends de toi que tu prennes le micro et que tu viennes dire à Mwadja, je regrette d'avoir dit que Mwadja de Chamba, chez Azali Assoumani. Je regrette d'avoir dit que Mwadja, il a Yahambou. Je regrette d'avoir dit que Mwadja, Wadjou Wadjou Terhanini, tout ça, c'est sorti de ta bouche. Au nom de quoi? Pourquoi Mwadja, on n'aurait pas la maturité d'avoir une opposition? Qui c'est qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit qu'en Bankou ou à Mahamé, il n'y aurait pas la maturité d'avoir une opposition? Qui c'est qui t'a dit ça? Qui c'est qui t'a dit de parler au nom de tout ça? Tu parles d'un parti, tu as un parti. Donne, tu aurais mieux fait de donner une nomination à ton parti. FFU. Si on doit FFU, voilà. Mais à Mahamé, Bankou, Mwadja, c'est énorme. C'est énorme. Tout en sachant que pendant toutes ces 3 dernières décennies, tu le dis par ta propre bouche, tu as servi l'État pour l'intérêt de cette région. On n'a jamais rien vu de toi. On n'a jamais rien vu de toi. C'est depuis peu. Hein? C'est depuis que tu as connu Nono. C'est depuis que tu as croisé Nono. Gofikiri, la réalité d'un Comorien. Joshua. Joshua, le Moroni, et donc aujourd'hui, allez là-bas, allez au diable, ne venez pas nous raconter des blagues, blablabla, parce qu'on ne te pardonnera jamais, on ne te pardonnera pas, Bouboune. Nous sommes les gays, et nos soeurs sont les lesbiennes, on assume. Et Madja, Madja, c'est la chamba Wahamba, c'est la chamba. Une partie, c'est la chamba, d'autres, non. On n'est pas les esclaves de qui que ce soit, on va dire les choses tel qu'on le pense, tel qu'on le ressent. Ngewa Komor. Bon, donc on va aller commencer de parce que les gens, il faut qu'ils rentrent à table à midi. Donc, on va profiter de ce merveille. Regardez, on m'a amené le petit déj. Donc, on va bien remplir le ventre là. Tu vois, ce soir, je vous invite, ce soir, il y a un comeback. Sur toujours l'affaire de la Mouidzi, donc, mais aujourd'hui, le sujet de la mana yamtrishaya, ou la mana ou la lomoro ni hula ya perdu la tête, ya lo hula tingo hambawa yatingo kazan rongo kosbohana wa tahale. Rijerouzi, c'est précis, à Comore, parce que ben, il faut toujours parler la même chose, parce que moi, je ne comprends pas ces gens. Dans notre pays, c'est quoi? Je vous assure, je ne comprends pas. Institution, décisionnaire, dangereux. On peut juger à notre échelle. Rantidoa Katika ou Bouakomor, Gamron Solamnamana Achle Shanini Djibril, Yenda Yam Hadaï, Ayam Nikana Mapesa en Tuile, Aboyaka Yam Ruma Indaya Rengaya Hala, Leo Yaja Bazier, Hanya Tudu Daham, Yardi Arejé Dingoni Yamam Risho Kangabilin de Wadam Bajau, Gabilin de Wadam Bajau, Gabilin de Wadam Bajau, Yahaja Yajuhamo, Olamo Olamana Wabilisiol, Il y a déjà du homo. Il y a des sujets à Léo. Donc, ensemble, mais pour dire, pour rappeler, c'est qu'Amada Hamadi, c'est un délinquant. Mounir Saïd Yassine, FFU.
Ils vont pardonner. Tu as pardonné quoi? Nous sommes des gays, on assume. Nos soeurs, c'est des lesbiennes, on assume. Va là-bas, allez au diable, mec. Allez, ciao.